Allez, Lazio Juve n'a jamais été aussi proche. Demain, 18h à l'Allianz Stadium. Mais comme promis, vidéo sur la conférence de presse classique d'avant-match de Max Allegri qui vient de se terminer à l'instant. Donc, en vue donc de ce match extrêmement important. C'est Max Allegri hein, qui l'a défini comme ça. Il a dit mot pour mot, demain s'affronteront deux équipes qui se sont divisées les trophées lors des 10 dernières saisons. Ce sera un beau match, difficile mais important. Donc voilà, la mission est extrêmement simple, j'ai envie de dire, au vu de la situation dans laquelle est la Juve. Je pense que la victoire est tout simplement la seule issue possible, un nouveau match nul ou une défaite. D'une, scellerait officiellement, même si à l'heure actuelle je n'y crois absolument plus. Je pense qu'avec la plus grande sincérité, il faudrait ne plus y croire au niveau du Scudetto, puisque ça semble une utopie incroyable, et surtout en vue de l'objectif minimal qui est, et à l'heure actuelle j'ai même envie de dire maximum, qui est la course à la quatrième place pour la Champions League. Je vais commencer directement par l'information principale de cette vidéo, c'est Aaron Ramsey. Alors, c'était pas du tout préparé, c'était pas du tout prévu. Je m'attendais même pas du tout à ça, puisqu'on avait eu zéro signaux hier par rapport à cette news-là. Mais Max Allegri a annoncé qu'aujourd'hui, les conditions physiques d'Aaron Ramsey devront être évaluées après une douleur hier ressentie au fléchisseur. Bien évidemment, bon courage aux Gallois, en espérant qu'ils se remettent bien, bien vite. Mais voilà, j'ai envie de dire aucune nouveauté sur le fait que Ramsey, en sélection Ramsey, dès qu'il met le pied à Turin, ça ne semblait plus être une utopie, ça ne semblait plus être une métaphore, bref, ça semblait être une pure réalité. Je ne vais pas dire que, voilà, c'est bien qu'il soit blessé, loin de là, hein, l'interpréter absolument pas comme ça, et c'est toujours triste quand un joueur se blesse, d'autant plus que là, dans une période extrêmement compliquée, dans une période importante, mais voilà, Max Allegri peut ne, encore une fois, ne pas compter sur Aaron Ramsey aujourd'hui, demain, donc aujourd'hui sera évalué ses conditions, il a ressenti donc une douleur hier, bref. Je ne vais pas répéter ce que je pense de Ramsey. Je pense qu'à 98%, ceux qui connaissent ce canal et qui me suivent, ou ceux qui tombent sur ce canal aujourd'hui, seront absolument d'accord. Ce n'est plus un joueur physiquement parlant de la Juve. Et ce petit truc qui est assez étrange, qui, je pense, peut vous énerver, c'est le fait qu'il y a deux visages. Il y a le visage sélection, où malgré tout, même si je ne regarde pas les matchs du Pays de Galles, avec toute la sincérité, j'ai autre chose à faire, mais voilà, je ne regarde pas les matchs, donc je peux pas juger comment joue l'équipe galloise, mais de ce qu'on me dit, c'est un joueur différent à la Juve et un joueur différent au Pays de Galles. Et ça se voit en termes de chiffres. Il joue plus avec les Pays de Galles qu'avec la Juve. Celui qui me dit le contraire, stat en main, c'est la réalité. Et marque plus. Ça peut s'expliquer par mille et une choses, hein. L'envie, la détermination, l'utilisation aussi quelque part du joueur. Mais bref, voilà, la situation de Ramsey devient de plus en plus embarrassante, avec un mercato évidemment qui s'approche jour après jour, mais avec une situation qui complique aussi le mercato. Aujourd'hui, un club serait assez fou pour dire, je vais mettre telle somme sur Aaron Ramsey, je vais lui donner les 7 millions nets par saison. Donc il y a une situation qui commence à se compliquer de tous les points de vue, d'un point de vue mercato, mais aussi d'un point de vue sportif. Donc voilà, en tout cas, bref, on va fermer cette parenthèse Ramsey en espérant que Max Allegri peut l'avoir à disposition pour demain, sans trop de surprises. Fermons la parenthèse, hein, Aaron Ramsey, sans trop de surprises. Max Allegri n'a pas donné d'indication sur la formation de demain, quand je dis sans trop de surprises, parce que je m'attendais pas à ce que Allegri donne des informations à ce sujet. La suite devra être bonne pour savoir cet après-midi quelle probable formation aura été testée à la cantina, parce que l'entraînement aura lieu cet après-midi. Pourquoi Max Allegri n'a pas donné d'informations sur cette formation? Tout simplement puisque aujourd'hui, ce sera le premier réel entraînement avec le groupe au complet. Quand je dis groupe au complet, oui, il a eu les internationaux européens hier, mais il n'avait pas les sud-américains puisqu'ils sont rentrés tard à Turin. Dès cet après-midi, il pourra compter sur eux. L'autre joueur sur lequel point d'interrogation pour pouvoir compter, c'est celui de Paulo Dybala. Regardez ce qu'a déclaré Max Allegri. Dybala, il n'a rien fait hier, il ne s'est pas entraîné, et c'est ce qu'il a fait lors des dernières semaines, lors de cette semaine où il ne s'est pas entraîné. Il essaiera aujourd'hui justement de s'entraîner. L'envie de Paulo est là, mais on verra. Ça veut tout dire. Point d'interrogation aussi de la part de Max Allegri qui aujourd'hui, verra officiellement Dybala sur le terrain, chose qu'il n'a pas fait hier. Et à ce moment-là, une décision sera prise. J'en ai fait une vidéo hier. Vous connaissez l'importance, hein, de Paulo Dybala, et vous connaissez à quel point ce joueur pèse dans le jeu actuel de la Juve. Après, voilà, Max Allegri a l'occasion d'avoir plus ou moins, d'un point de vue offensif, le groupe au complet.
puisque Moise Kean est pleinement récupéré. Là aussi, l'autre principale information donnée par le Mister. Moment décisif de la saison, non, il ne faut pas penser et parler, ça ne sert à rien, il faut des faits, des résultats, on doit juste penser à faire. Afin de s'améliorer, peu à peu, on jouera à la première place face à Chelsea. Sur Maurizio Sarri, regardez la petite phrase qui m'a fait assez plaisir. Alors, c'est pas un tacle, hein, faut pas l'interpréter comme ça, mais je trouve qu'il a été malin sur cette réponse. On lui a posé la question sur vous, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Sarri où il dit que cette équipe n'est pas entraînable, entre guillemets, elle ne peut pas être entraînée. Maurizio Sarri a gagné le dernier Scudetto, l'équipe ne peut pas être entraînée. Bah, je ne sais pas, demandez-lui, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Pour moi, chaque équipe peut être entraînée. Ce sera assurément un match compliqué parce que malgré tout, Sarri reste un coach tactiquement qui, face aux grosses équipes, prévoit toujours des schémas qui restent compliqués. La Lazio, d'un point de vue milieu terrain, reste l'équipe, selon moi, la plus solide en Serie A avec un Luis Alberto qui commence à être retrouvé. Un Cataldi qui, à ma grande surprise, a pris le devant sur Lucas Leiva et qui est mis dans une position de légiste. Et bien évidemment, le meilleur, voire l'un des meilleurs milieux de Serie A, Milinkovic-Savic, qui à lui tout seul peut détruire un milieu. Donc voilà, je pense que le match se jouera en partie sur ce secteur-là. Et Max Allegri devrait être bon à essayer d'organiser au mieux ce schéma tactique-là. Pourquoi pas passer un milieu à 3 quand on sait que le milieu à 2 est souvent une pure difficulté face à un milieu à 3 qui domine les équipes en face. Donc voilà, choix qui reviendra à Max Allegri. Le foot est un art, un spectacle fait par les joueurs. À mon humble avis, un entraîneur doit donner des idées de l'organisation. Le foot est beau. Ce qui fait la différence, c'est si tu perds ou gagnes. Le jugement est lié au résultat. Il a aussi parlé de Deschilio, il a dit Deschilio récupère bien en espérant de l'avoir à disposition pour l'après Chelsea. Je suis content d'Arthur, il se met à disposition et il est pleinement récupéré. Et sur Bernardeschi, on ne l'aura pas pendant une vingtaine de jours en espérant le retrouver comme il était avant de se blesser. Puisque Bernardeschi fait de bonnes choses. Voilà plus ou moins sur les principales déclarations de Max Allegri. Alors je me suis arrêté un peu plus longtemps sur celle d'Aaron Ramsey. Dans les commentaires, me dites pas, parce que je pense que ça sert à rien que je m'acharne sur Aaron Ramsey. Moi, je donne des faits. À l'heure actuelle, c'est un joueur en grande difficulté et qui est absolument pas à disposition de Max Allegri et plutôt de la sélection galloise. Je suis pas là pour, encore une fois, pour juger Aaron Ramsey. Vous savez ce que je pense. Vous savez la situation dans laquelle est le Gallois. Et surtout, dans une période aussi importante, je pense que pour Max Allegri, le plus important, c'est d'avoir le groupe à disposition, surtout des joueurs concernés. Avoir des joueurs qui sont là, mais qui, dans la tête, ne sont pas là, ne sert strictement à rien. Bien évidemment, par chance, Allegri pourra compter sur la quasi-totalité de ses joueurs pour le match face à l'Olympico. À l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, les joueurs qui ne seront pas, assurément pas là sont Chiellini, Deschilio et Bernardeschi, avec bien évidemment deux points d'interrogation, Ramsey et Dybala. Mais ça restera un match où l'enjeu sera assez simple à comprendre, victoire à tout prix. Vous, dans les commentaires, dites-moi quelle formation vous aimeriez voir pour le match face à la Lazio. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'information sur la première formation. Dans l'après-midi ou dans la soirée, si justement il y a un peu plus d'indications, j'arrive à avoir un peu plus d'indications, à ce moment-là, bien évidemment, j'en ferai une vidéo pour une semaine qui s'annonce extrêmement importante. La première place en Ligue des Champions et les deux confrontations directes pour la quatrième place qui n'est plus un objectif minimal, mais un objectif maximal à mon humble avis. Vous dans les commentaires, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, car le parfait sur toute l'actualité sur la Juve. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve soit demain, soit dans la soirée pour les dernières news sur le 11 qui démarrera à l'Olympico. Ciao, ciao.